Continuerez-vous à donner de l'argent à votre copine, à votre copain ou à votre enfant si vous êtes en froid? C'est-à-dire que... La femme, tu te demandes une question. Ah, ouais. Si t'es bon, alors, bien posé d'abord. Ouais. Faut dire, non, parce que là, bon, là c'est pas... C'est pas moi qui donne l'argent déjà de base. Voilà. Donc, en fait, si on est en froid, tu as que dalle. Mon enfant, j'ai obligation quand même de ton éducation. Je suis... Voilà. Oui. Donc, et puis, tu peux pas être en froid à un moment d'un moment. C'est comment? En froid de quoi? Il y a les enfants, les adolescents. Les adolescents. Mais t'as qu'à être en froid. Non, ça arrive. Ma chérie, on peut te bouder. Toi, là, tu dis. Si, va demander l'argent de poche. Bon, attendez, Didier va répondre à la question. Tu ne donnes pas l'argent à ton chéri, certes, mais tu devais lui donner l'argent pour faire quelque chose. Et puis vous êtes en froid. Il ne donne pas. Pourquoi? Aïe, caca. Mais ça, c'est son avis. Il va venir me parler correctement, là. Il va lui donner l'argent. C'est le mal. On a vu, c'est la manipulation, non? Attention. Mon frère, donc il doit te donner l'argent, puis toi tu trouves le moyen de me bouder. Ah bon? C'est que tu as force, hein? Tu as force. C'est que tu vas le mettre. Oh, de courage que la bulle là, ça te dit. Moi, suis là. Si mon gars doit me donner l'argent, je ne peux pas le bouder? Comment? J'ai raison. C'est qui c'est pas? T'as raison. Voilà. Ok, après, les gars. Maman, ma fille! J'ai bien éduqué ma fille, oui. Tu l'as bien éduqué. Moi, par exemple, si mon chéri me boude, je boude. Ouais. Donc, si je boude là, vraiment, il ne sait pas à quel moment tu vas venir te placer pour me dire, pour me rappeler que je dois te donner l'argent. Il ne sait pas. Ça. Parce que je vais te bouder de telle sorte que tu auras peur même de. Dame, je te l'ai pas donné. C'est compliqué pour donner. Et puis on dit, il y a c'est vrai, vous avez raison. Oui, c'est bizarre, c'est trop bizarre. C'est maintenant, je pense à quelque chose, mais dis. Dans son normal, même où tout va bien, même là, quand il vient demander, il y a toujours, non, mais je n'ai pas, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, mon fâché encore, tu vas même me demander. Mais quand comme elle a dit, oui. Oh, mes yeux, là. Tu vas regarder. Il aura peur de demander, oui. Non, mais allô, on est où? Maintenant, mon enfant, moi, je suis ta maman. Et puis, c'est toi qui es fâché contre moi. Alors que c'est moi qui ai l'argent. Ouais. Toi, mais tu vas desserrer ton visage. Comme dit Didier, ça, c'est une relation de force. Ouais. Maman chérie, ça va? Tu m'as manqué aujourd'hui. J'ai dit, tu veux combien? Quand ça a commencé, tu veux combien? Ah, c'est pas toi qui étais fâché. Pas dans ta chambre là-bas. Ah. Je vais te donner après. Non, toi, ton âge a un même. Aurélie, l'argent, tu joues pas avec elle. Dis, ne vous sais pas. Il y a un proverbe qui dit, on ne mord pas les doigts de celui qui te nourrit. Si. Donc, si je dois donner l'argent à mon copain et qu'il me boude et qu'il oublie qu'il devait venir après pour récupérer quelque chose, ben, je vais le faire un peu. Maintenant, ça dépend du degré de, du souci qu'on a. Exactement. Voilà, faut pas, on va pas perdurer. Mais en général, moi, je donne pas l'argent aux hommes. Hein, c'est beaucoup plus l'inverse. C'est l'inverse. J'aime bien ça comme ça. Ouais, totalement. D'accord. Moi, j'ai le bon arrivé à Abidjan. Ici, là, c'est pas comme ça. Hein. Ah, ton gars, même quand il sert son visage, là, même là, le fait que tu ailles lui donner, là, c'est comme c'est un signe de faiblesse. Nos gars, là, ils sont pas trop... Bon, j'ai pas dit fuite, mais ils vont me suiter, mais ils sont d'une manière. Ils sont maniérés. Le gars va dire qu'il te maîtrise tellement, tu as tellement fond de lui. C'est pour ça que malgré qu'il sert son visage, là... Va... Et puis, ceux-là, ils aiment parler autour. Il va dire à son ami, il faut laisser go, là, il va donner. Elle ne veut pas donner le gel. Non, souvent, quand ton gars sert son visage, même si c'est une question de vie ou de mort, lui, là, il doit apprendre. Non, il faut qu'il apprenne à s'éduquer lui-même. Hey, je suis pas son ennemi. Tu vas serrer ton visage à cause de moi-même, mon Dieu. Petit, il a profité de ça pour tes bras. Mais ce mec qui demande quoi là, mais ça m'arrange pas. C'est un mouvement, mais il y a les pasteurs, les parents, ils vont aux réunions. Ils vont te dire, tu peux pas dire aussi que c'est là, et tu vas te donner, ils n'ont rien. Aïe, il est fou. Du coup, Didier m'a fait penser à autre chose. Si vous, votre chéri doit vous donner quelque chose, vous allez toujours sourire avec lui jusqu'à ce que vous obtenez. Bien sûr. C'est avant qu'on était bête. Et puis on se fâche en prenant un gros cœur. Et puis après, tu regrettes, tu as raté une grosse somme. Maintenant, là, je prends les pieds et me casser. Je ne laisse pas, hein. Ne laissez pas les filles. Mais il y a un cas, même dans fâché, là, si c'est moi, nous deux, on est fâchés, puis c'est moi, je te demande l'argent, là. Je vais venir te demander mon visage, chérie, puis il ne faut pas donner.
En fait, ouais. Ça devient devoir deux fois palable. Je suis désolée, on a fait notre palable, non. Même si ça n'a rien à voir avec l'argent que tu devais. C'est ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ouais, parce que ça, en fait, c'est-à-dire que. Tu devais me donner. Oui. Je donne mon argent. Moi, en fait, c'est ça. Moi, si tu me dois quelque chose, je ne vais pas venir sourire avec toi pour ça. Je continue de te bouder. Et puis, tu me donnes. Et tu me donnes. Voilà. Et tu as intérêt à me donner parce que sinon. Sinon, c'est terminé. Ton mari a te dit, et alors comment tu es impoli, et alors comment tu fais ton visage là, tu es tout impoli, toi la petite fille là, hein, dans mon main. C'est tout. Là, là, t'as mis tout. Mais franchement, en fait. Et puis, c'est l'occasion même des glissements. Alors, tu es... Non, maman, si on n'est pas chez même là, quand tu t'es demandé, mais tu dois mettre le double. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah, et puis moi-même, là, moi-même, j'ai une technique. Ça dépend du palabra. Moi, j'ai une technique qui est pire, en fait. C'est que je vais venir te dire, bon, écoute. Ce que tu avais dit que tu allais donner, c'est bon, faut laisser. Je veux plus. Ah oui, ça aussi, ça c'est pas vrai. Ouais. Je lui dis sincèrement, je ne veux plus, ce n'est pas la peine. Voilà, j'ai décidé de passer à autre chose, ce n'est pas la peine. Il sait que quelqu'un d'autre quelque va donner. Quelque chose qui est censé être dans un an, il va te l'envoyer ça dans un mois. Oui. Mais Kadi. Croyez-moi. Kadi, matin, là, tout à l'heure, vous donnez mon téléphone. Il y a un gars qui m'a envoyé un jeton. Il ne dit pas le pays, sinon, ils vont savoir c'est qui. Il lui demande un jeton. D'habitude, le gars m'envoie les 500, les 600, souvent les 1 000. Il m'envoie 200 000 francs matin. Donc, quand il a envoyé ça, là, entends-moi. Bon, tu sais, quand tu es imposé, tu es un peu gonflé, mais c'est le but là-bas, tu prends, tu dis rien. Il dit que depuis que tu m'as envoyé 100 000 francs la dernière fois que j'ai accepté, là, je savais que ça allait tourner dans ça. C'est la 200, je ne prends pas ton argent. Si moi je prends, il faut changer mon nom. Tu penses que je suis qui? Non, mon cœur battait. Il dit, merci, le gars dit, ok, d'accord, il retourne mon jeton, il fait comme moi. Il est dansé, il m'a appelé. Que chérie, s'il te plaît, j'aimerais qu'on s'entende. Est-ce que de me faire de me comprendre? Non. Il faut que tu complètes d'abord avant de me donner. Mais tu penses que je suis quoi? Tu penses que je manque de ça ici à Abidjan? Tu sais combien je paie ma servante? Tu sais mon loyer? Mais quand il y a fini de faire ça là, il est dans la voiture depuis ma pépère qui a présent, m'a pourquoi appelé. Je ne sais pas si quand même mon téléphone. Attention, ne dites pas, ne donnez pas tous les secrets du syndicat des femmes. Ah, Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Précéa en suivant ce programme.